Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 22 février, voici les titres. Dans la région du Nord, des parents crient au manque de sécurité dans une école. Leur fils aurait été menacé à l'arme blanche par un individu dans la cour de récré. Il l'aurait forcé à consommer une substance soupçonnée d'être de la drogue. Témoignage dans cette édition. Affaire Subramanian Kisnen, Vinaya Panna a déposé environ 2 millions de roupies sur le compte bancaire de Niti Silek pour une commande de bois. Affaire Wakashio, Maurice pas spécialisé, comme d'autres pays, dans l'opération de sauvetage. Affirmation d'Alain Donat, Director of Shipping, lors de son audition aujourd'hui. Et culture, cinéma à la carte, découvrez Le Beau Monde ce soir. Cette affaire qui choque plus d'un, celle d'un homme qui aurait forcé un enfant de 8 ans à consommer une substance qui serait de la drogue. Les faits se sont produits lors de la récréation, vendredi dernier dans l'enceinte d'une école du Nord que fréquente le garçonnet. L'élève a porté plainte à la police en présence de sa mère hier. Selon les dires, le suspect lui aurait offert un bonbon et c'est en ouvrant l'emballage de la supposée friandise qu'il a découvert une certaine quantité de poudre blanche et jaune. La victime s'en est aussitôt débarrassée, mais l'homme l'aurait menacé à l'aide d'un sabre qu'il l'aurait placé sous sa gorge. L'écolier est parvenu à s'enfuir, une enquête a été ouverte. Le père de l'enfant déplore un manque de sécurité à l'école. Est-ce que tu as un problème pour te manger? Non, mais j'ai été dans la poubelle. Tu trouves toi, c'est dans la poubelle? Non, il n'y a pas trop moi. Tu peux pas dire moi comme ça que tu ne jettes pas pour l'école sans l'école là? Oui. Je gâpille. Je trouve que c'est un du bois, puis tu traverses quoi du bois? Le moteur du bois traverse et il y a dans la case. Depuis de l'école? Oui. Je me donne un bonbon, je me donne fini sous. Manger une donatifi difficile manger. Un autre du monde qui ne prend pas bonbon là? Pas de semaine, un autre du monde. Vendredi, t'es retour et saute l'école. T'es venu dire papi, mamie, un monsieur m'écoute en bas sur les coups. Le monde a dit, mais qui fait m'écoute en bas sur les coups? D'ailleurs, un monsieur, il mange un parti. Que tu as un monsieur là, on a souvent plein, il faut pas manger. Il nous a dit, puis il faut aussi pour manger. Et là, par la suite, on a des bras, on a de la police. La police connaît. Elle a eu tout une guette moi, tu me causes avec moi. Mais c'est la première fois que vous voyez un jour où ouais, pour la première fois. Parce que ça, tout le monde saute de l'école, tout. Moi, je me dis qu'il y a un petit frère qui est fait dans l'école. Mais je me dis qu'il y a un petit frère. Je suis un peu pire parce que je me dis qu'il n'y a pas l'école là-bas. Quoi. Il y a un sens sur l'école, il y a beaucoup d'école là-bas. Et je suis traumatisé. Je suis à l'école aujourd'hui. Je suis venu pour dire qu'il y a traumatisé. Je suis fatigué un peu. Vous parlez dans l'école là où vous allez demander? Bon, madame, je allé. Là, on ne peut pas reconnaître qui n'avait parce qu'on n'a pas beaucoup de travail. Là. Je prie la sécurité à l'école parce que ça coule, il est venu, il a dit pas rapport de personne, pas dire personne qui n'arrivait, pas l'arrivée, sinon il va être battu. À cause ça, il parle du pire droit dans le bureau et du pire pour venir nous quitter. Il est en train de venir, il a dit soumis, il a dit soumis, ma folle. Mon garçon, pire. Pour causer, il met un craquement dans mes enfants là. C'est bon, mais ça, il n'est pas un bon. Mais si vous connaissez qu'il y a mes parents, pour avoir mes enfants, il ne peut pas venir. Et une version de la direction de l'école est toujours attendue. Et c'est aujourd'hui qu'Atla Feutlou est retourné sur les lieux de son crime après avoir avoué les faits à la police. Il a participé à un exercice de reconstitution des faits à Saint-Pierre dans le cadre du meurtre de sa mère, Amina Yadon, 56 ans, à l'aide d'un couteau. Cet habitant de Saint-Pierre a raconté à la police qu'une dispute avait éclaté entre sa mère et lui et qu'il était question d'argent, de 200 roupies plus précisément.
Ils lui ont été refusés par la victime parce qu'il projetait d'acheter de la drogue avec cette somme. C'est à ce moment-là qu'il a égorgé sa mère. Mercredi dernier, Atla Fetlou, 29 ans, a été traduit devant le tribunal de Moka et une accusation provisoire de meurtre a été retenue contre lui. L'interrogatoire under warning de Yogi Dasso Miladen a débuté au Casernes Centrales cet après-midi. L'ex-ministre a été accompagné de son avocat, Maître Raouf Gulboul. Cette enquête du CCID, vous le savez, concerne une affaire alléguée d'emploi fictif. Simla Kisnen, veuve de Soupramien Kisnen, a affirmé dans une plainte que Yogi Dasso Miladen a déclaré à tort qu'il l'employait comme constituency clerk. Et aujourd'hui, contrairement au 10 février dernier, l'ex-ministre a fourni ses explications aux enquêteurs. Vinayapana a déposé environ 2 millions de roupies sur le compte bancaire de la compagnie Niti Select pour une commande de bois et Bo Digital a fait un virement de 600 000 roupies pour un business de container. Révélation de Nitana Chet ce matin en cours de Moka à la reprise de l'enquête judiciaire sur la mort de Soupramien Kisnen. Par ailleurs, Deepak Bonomali est attendu demain pour son audition et des échanges entre Nitana Chet, son avocat maître Dick Ningshiwa et maître Roshibana ont surpris ce présent en cours de Moka aujourd'hui. L'hôtesse de l'air a fait de graves allégations à l'encontre de maître Roshibana qui à son tour en a fait de même contre maître Dick Ningshiwa. Ce litige a par la suite été résolu entre les deux parties, Alkis Ramdine, Mélanie Duval. Les propos de l'hôtesse de l'air ont surpris plus d'un devant la cour. Nita Nukched a allégué que Roshibana l'a approché il y a quelques jours dans l'enceinte de la cour pour lui dire d'affirmer que la compagnie Niti Select appartient à Yogi Dasso Miladen et ainsi il ne lui posera pas de questions sur sa relation avec l'ancien ministre du Commerce. Chose à laquelle Roshibana a répliqué en disant que c'est l'avocat Dick Ningshiwa qui l'a approché dans le parking de la cour pour lui dire que tout est de la faute de Yogi Dasso Miladen et que sa cliente n'a rien à voir dans tout ça, avec pour objectif éviter que des questions embarrassantes ne soient posées à sa cliente. Roshibana a aussi demandé à ce que les vidéos de caméras surveillance du parking soient visionnées. Toutefois, à la reprise, après la pause déjeuner, maître Roshibana et maître Dick Ningshiwa ont tous les deux fait une déclaration commune en cours, disant qu'ils ne souhaitent plus aller de l'avant avec cet incident. Issue has been cleared. Both me and him don't want this to become impediment to this inquiry and we will both carry on with this case, ont-ils affirmé devant la cour. Nous retrouvons après ces courtes pages de pub. Sun, sand, sea, tu veux en profiter? Venez rencontrer l'équipe Custos Beach Maritime et Défi d'île ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons The Bagatelle ce vendredi, samedi et dimanche. Vivez une expérience unique au Predator Kingdom au Kazla Nature Parks. La marche avec le roi de la jungle à seulement 1000 roupies par personne. Pour vos réservations, faites le 401 65 00. 401 65 00. Le dernier numéro de votre magazine, Le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits, vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture! Maurice, tout comme d'autres pays, n'est pas spécialisé dans les opérations de sauvetage. C'est ce que j'ai pu constater après des recherches. Affirmation d'Alain Donat, directeur de Shipping. Il a été la deuxième personne à être auditionnée ce lundi après le capitaine du MV Wakasho, Sunil Kumar Nandeshwar. Alain Donat a été questionné par le représentant du bureau de l'attorney général, Rajkumar Bongali, sur le déroulement de l'exercice. On fait le point avec Shivani Venkatachalam Chinnaman. En attendant la salvage team, c'est le capitaine du MV Wakasho qui a donné des informations sur le vraquier. Alain Donat a affirmé qu'à cause de la Covid-19, l'équipe de sauvetage a eu du retard et ne pouvait fouler le sol mauricien pour assister aux réunions entre eux et les autorités, mais ils ont utilisé leur téléphone portable pour communiquer. Le directeur de Shipping a aussi indiqué devant la cour que nous n'avons aucun équipement pour le sauvetage. Il a aussi souligné que le mauvais temps persistait alors que la salvage team voulait procéder à l'opération. Alain Donat a aussi affirmé
souligner que le gouvernement ne peut interférer avec l'exercice de sauvetage car c'est un contrat signé entre le propriétaire et la Salvage Team. Dans la matinée, c'était le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar qui a été appelé à la barre des témoins. Il a une nouvelle fois renvoyé la balle à son second, Subodha Tilakaratna. La cause de ce naufrage est la négligence de la part du chief officer, devait-il déclarer en cours. Il a expliqué que ce dernier n'a pas suivi le Parallel Index Sailing et que Subodha Tilakaratna consommait de l'alcool régulièrement. Sunil Kumar Nandeshwar a aussi indiqué avoir modifié la trajectoire le 23 juillet à cause du mauvais temps. Le capitaine a affirmé qu'après le naufrage, il avait recommandé à la Salvage Team d'installer des booms autour du vraquier, mais cette recommandation serait restée sans réponse. Ce lundi, Maurice a signé des accords avec deux pays, le Japon et l'Inde. Le premier accord avec le Japon concerne une aide sous forme de subvention de 600 millions de yens, environ 226 millions de roupies, qui serviront au pays pour renforcer sa sécurité maritime à travers l'achat d'équipements pour renforcer la capacité du gouvernement à mener à bien ce projet. L'autre accord avec le Japon concerne un prêt de 30 milliards de yens, soit près de 11,3 milliards de roupies, qui serviront à rétablir la stabilité économique en temps de crise sanitaire. L'India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement signé ce matin au réceptorium de l'Assemblée nationale, cela en présence du docteur Subramaniam Jaishankar, ministre des Affaires étrangères de l'Inde, et du Premier ministre Pravin Jugnauth. La cérémonie a débuté avec la remise de 100 000 doses de vaccins anti-Covid par le ministre indien au Premier ministre, et 6 autres accords ont été signés entre Maurice et la Grande Péninsule, dont une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains, soit 4 milliards de roupies, pour financer l'achat d'un radar pour la surveillance de nos côtes, un nouveau dornier, des hélicoptères et un intercepteur. Passons à la rubrique sportive. Maintenant, le verdict des élections d'athlètes au sein du comité olympique mauricien est tombé. 9 candidats étaient en lice, notamment Christian Legentier, Roy Larana Irozoir, Corette, Annabelle Lascar-José, Caroline Ramasomi, Guylaine Bandou, Bruno Julie, Julien Paul, Dylan Reddy et Katoxia Paradaven. Plus de détails avec Jenny Raboud. Les élections des athlètes au sein du comité olympique mauricien se sont déroulées cet après-midi au centre Ramroui Olymp Africa à Trianon. Des 9 candidats qui ont brigué les suffrages, 5 ont été élus pour faire partie de la commission des athlètes. Bruno Julie et Christiane Legentier ont terminé en tête avec 12 voix, suivi de Julien Paul, 8 voix. Et ensuite, on retrouve Caroline Ramasormi et Annabelle Lascor avec 7 voix. Sinon, Christiane Legentier assumera le rôle de présidente au sein de cette commission. Parlons de culture et du 7e art maintenant. Depuis le 8 février, 4 films sont disponibles à travers le programme de cinéma à la carte de l'Institut français de Maurice, un programme cinématographique qui vous est destiné à l'occasion de la Journée de la Femme et qui sera célébrée le 8 mars prochain. C'est également à cette date que vous pourrez visionner ces films pour la dernière fois. Au programme, 4 longs métrages réalisés par 4 jeunes réalisatrices françaises. Et ce soir, c'est le long métrage de Julie Lopez-Kerval, Le Beau Monde, qui sera disponible en streaming sur le lien du site web de l'IFM. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.